Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour la rentrée de Yes Weekend avec un invité exceptionnel. Regardez ce qui vous attend. Après plus de 100 dates à travers le monde, Marcus Gad est de retour chez lui, à la maison. Il sera avec nous sur le plateau pour la sortie de son nouvel EP avant de s'envoler une nouvelle fois pour une tournée en Europe. Bien sûr, pas d'émission sans Stéphanie Marlier pour nous présenter les perles du web et son fameux quiz. C'est ça. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors notre invité du jour sort un nouvel EP de 6 titres, mais ce n'est pas le seul. En effet, l'année 2019 commence sur les chapeaux de roue puisqu'il y a différents albums qui sont sortis, comme celui par exemple de Luis Fonsi ou encore d'Ariana Grande. Pour ma part, j'en ai choisi un en particulier qui est sorti récemment, donc au mois de février, car c'est celui d'une artiste que j'aime beaucoup. Et c'est surtout car je l'attends depuis 2013. Donc enfin, il est là et dans le fameux quiz que tu attends et que vous attendez tous, je vais tester l'acuité auditive de notre invité et la tienne. Ça promet. Merci beaucoup Steph. Et nous recevrons également Michel Pimbé qui nous parlera du premier magazine de l'année Les Coulisses. Michel est retourné à l'école pour nous montrer comment fonctionne l'enseignement alternatif. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans l'univers de notre invité Marcus Gad avec son single de son nouvel OP, River. Misty mountain, liberate your mind in a conscious ocean. Many thoughts are go by, no need to hold them. You just watch them flow by like a water fountain. This water you cry was once up in the sky and the road, in the plants and animals that live all around. Say, who you gonna blame when nothing and all is the same? Like the river, say hold on to nothing and flow to the sea. What I am was not born, it is eternally. Forever it has been, forever it will be. One drop to the day, tomorrow in the sea. Like a water flow, other laws of nature. All bodies go back to the armor slayer, but forever alive in the water. Egoless and free as yes, the spirit of prosper. Was before still is and will be ever after. Holding on to nothing if it's made out of matter. Ancient of days, pure in all ways. So can't you see the love in this river showing at the cycle of the water? For all she knows is the flow. All of the stories she's told of the birth and the passing of her. Like the river, say hold on to nothing and flow to the sea. What I am was not born, it is eternally. Forever it has been, forever it will be. One drop to the day, tomorrow in the sea. Say water like the soul as an old memory. Here from beginning in the same quantity. In the plants, the sea, the river and your body. Not to say in all that you see. Conscience are growing as the water it a flow. Cover the earth in form of rain, in form of snow. Say all of my fears and
like the river. Say hold on to nothing and flow to the sea. What I am was not born, it is eternally. Forever it has been, forever it will be. One drop to the day, tomorrow in the sea. Merci Marcus, viens avec nous, viens nous rejoindre, pose ta guitare. Extrait de son tout nouvel EP de 6 titres, River, installe-toi sur le canapé de Yes Weekend. Félicitations. Yeah, merci de m'accueillir. Quel beau titre, bah, merci à toi de venir, merci à Michel aussi qui nous rejoindra tout à l'heure de t'avoir amené. On vient d'écouter le single de ton nouvel EP, est-ce que tu peux nous dire un peu un petit mot sur, voilà, sur l'EP? Sur l'EP en général, ouais. Bah, cet EP, c'est un EP que j'ai fait avec mon acolyte Tamal, qui est un frangin que j'ai rencontré en France, qui est mon ingé son, tu vois. C'est lui qui me suit en live sur les dates et on a fait mon album ensemble. Et puis ça, ce projet, c'est un projet où on s'est un petit peu enfermés tous les deux dans son studio. On s'est mis une petite vibes tous les deux et puis on a essayé de faire un projet un petit peu différent, tu vois, d'ouvrir ce qu'on fait d'habitude au niveau des genres musicaux qu'on aborde. Donc c'est assez différent. Très méditatif comme, comme EP. Ouais. Ok. Justement, je voulais te demander où est-ce que tu veux nous emmener avec, avec ce, bah, tu vois, ce titre. Le nom du EP s'appelle Enter a Space, ça veut dire rentre dans une dimension, tu vois. Okay. Et nous, on a vraiment eu ce sentiment quand on a fait cet album-là qu'il y avait un son très particulier, un peu aquatique, tu vois, que ça, c'était vraiment, ça relaxe. Et du coup, on a donné ce titre-là parce qu'on voulait inviter le public à rentrer dans cet espace-là avec nous. Ok, mais justement, je voulais te demander cette pochette un peu mystique où tu sors de l'eau et ce nom, donc tu nous en as parlé, mais du coup, cette pochette avec ce sigle autour de toi, c'est toi hein, d'ailleurs. Ben non, justement. Ah, c'est pas toi. Moi. C'est marrant. Mais c'est marrant parce que c'est un ami à nous qui a fait la photo, qui faisait de la plongée dans la mer Rouge, dans le Sinaï, tu vois, au sud de l'Égypte. Ok. Là. Et en fait, on lui avait envoyé les chansons parce qu'il les aimait bien, il les écoutait pas mal, ça l'inspirait vachement pour la plongée, pour ses photos. Puis un jour, il nous a envoyé cette photo en nous disant qu'il l'avait pris après avoir écouté la chanson et que pour lui, ça correspondait parfaitement à ce qu'il ressentait quand il écoutait la musique. Et du coup, on a pris tout de suite sa photo pour la pochette. Alors on a rajouté autour cette espèce de géométrie sacrée, tu vois. Ouais. Pour donner vraiment cette impression de rentrer dans un espace sacré. Enter a space. Moi, je voulais savoir, en fait, tu as des influences musicales diverses, hein, road, blues, aussi hip-hop, blues mandingue, soul aussi. Mais quelles sont, en fait, où tu trouves toutes ces... Quelles sont tes sources d'inspiration? Bah, comme tu viens de dire, il y en a beaucoup. Après, moi, au niveau de la musique, je suis super éclectique. Mais j'aime beaucoup la soul. Moi, quand je dis la soul, c'est vraiment à une grande échelle. J'aime bien quand c'est une musique où il y a vraiment l'âme du musicien à l'intérieur. Donc après, avec ce critère-là, j'écoute vraiment toutes sortes de choses et ça dépend des moments. Tu vois, il y a des moments où je ne vais pas écouter de reggae pendant plusieurs mois. Ça dépend des voyages, de là où je suis. Après, tu t'inspires aussi peut-être des instruments traditionnels que tu durant tes voyages, après pour intégrer dans tes albums. Bah ouais, beaucoup. Dans cet EP, ouais. Là, celui-là en particulier, on a essayé de... Moi, j'avais toujours voulu travailler avec des musiciens africains, parce que j'adore les sonorités de leurs instruments. Ça ouvre vraiment quelque chose de nouveau. Donc du coup, sur ce EP-là, on a vraiment fait cet effort d'ajouter ces instruments-là. Et je trouve qu'ils sont... Enfin, le reggae, c'est une musique qui peut recevoir beaucoup d'autres influences, en fait. C'est très ouvert comme style. Notamment l'influence indienne, on le voit sur ces images. C'est le clip de River, la chanson que tu viens de nous interpréter. C'est ça. Je crois savoir que l'Inde, c'est un de tes premiers voyages. Ouais. C'est vraiment un pays qui t'inspire beaucoup. Bah, j'ai adoré voyager là-bas. Et puis, c'est vrai que là-bas, j'ai appris pas mal de choses au niveau les Indiens, ils ont une philosophie de vie qui est très différente de la nôtre dans le monde occidental, notamment par rapport le rapport à la vie, à la mort, etc. Et du coup, cette chanson River, ça parle vraiment de ça, tu vois, ça parle de... Pour les Indiens, ils ont vraiment cette croyance que le corps, c'est juste un véhicule pour l'âme, mais que l'âme, elle était là avant, elle sera là après, et que la vie, c'est un peu un pont que tu traverses, tu vois. Et du coup, ce clip-là, on l'a fait à Bénarès.
Et Bénarès, c'est la ville sacrée hindoue, c'est le Gange. Ouais. Et en fait, dans cette ville, c'est là qu'ils brûlent les morts, parce que les Indiens brûlent leurs morts. Okay. Et en fait, il y avait vraiment dans cette ville, il y a vraiment l'ambiance que j'essaie de retranscrire à travers cette chanson. Et je voulais absolument faire le clip là-bas, et c'est pour ça que ça a pris d'ailleurs 2 ans à sortir, parce qu'on l'a fait il y a 2 ans, la chanson. D'accord. Mais c'est le temps que ça m'a pris de pouvoir organiser le tournage du clip en Inde, et on voulait vraiment pas passer à côté de ça, tu vois. On en reparlera après du clip, de ces images qui sont magnifiques. J'aimerais qu'on s'attarde sur une photo que tu as postée sur ton compte Facebook, ouais. Si on peut la regarder en plasma derrière nous. alors déjà, j'aimerais que tu nous racontes cette photo. C'est en Inde aussi ? Non, ça c'est en Palestine. D'accord. Et ça c'est dans le camp de réfugiés de Old Askar, à côté de Naplouse. Et ouais, je me suis arrêté en Palestine juste avant de rentrer au pays. Et c'est un voyage qui m'a beaucoup touché. J'ai été très très bien accueilli, d'une manière dont j'ai jamais été accueilli nulle part ailleurs dans le monde. Vraiment un accueil incroyable. Fort de son histoire, ce pays. Ouais. Et puis des gens fantastiques en fait, parce que tu arrives dans un endroit qui est assez délabré. Et c'est les gens qui te nourrissent. Qui prime, quoi. Ouais. Alors du coup, bah, voilà, cette photo, elle est magnifique avec ses enfants. Et du coup, qu'est-ce que vous faites avec vos doigts? Quand j'ai vu cette photo, j'ai essayé de le faire devant mon miroir, j'ai pas réussi. Alors j'aimerais que tu nous apprennes. C'est comme ça. Steph. Alors, tu croises tes doigts comme ça, ouais. Tu vois. Et alors avec ton index, tu attrapes ton majeur de l'autre main. Ok. Alors tu vas jamais y arriver du premier coup. Sache-le. On est en direct là. Tu vois, tu fais comme ça et en fait tu fais une fleur de lotus et ça s'appelle c'est un mudra en fait. C'est... Ouais, non, je crois qu'il nous faudra du temps. Ouais, mais tu arrives bien quoi. Ouais, c'est encore un truc indien, tu vois, les Indiens ils croient dans les méridiens qui traversent notre corps et en fait ils ont plusieurs postures des doigts comme ça pour actionner certains méridiens. Ok. Ah d'accord, oui, c'est vraiment une posture de... C'est toi qui l'as appris aux enfants, du coup ? Ouais, bah du coup, c'est des petits trucs, c'est cool. Les enfants, ils adorent ce genre de trucs. Ouais, carrément. C'est cool de pouvoir partager ça avec eux. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Il y a un autre pays qui compte pour toi, c'est l'Éthiopie, d'où est né le mouvement Rastafari. C'est une philosophie qu'on retrouve aussi dans tes chansons ? Ouais, ça m'a beaucoup guidé au départ, encore aujourd'hui, et à l'avenir, ça me guidera encore, ouais. C'est cette philosophie de vie-là, parce que c'est inséparable aussi du reggae, tu vois, de cette musique. Et font bien qu'aujourd'hui, le reggae, il se soit beaucoup démocratisé et qu'on voit beaucoup de reggae sans cette conscience-là. Mais pour moi, c'est une musique qui se sépare difficilement de cette conscience-là. Mmh. Est-ce que donner un concert en Éthiopie, c'est... Ce serait un grand rêve, ouais. À la place Addis Abeba. Ouais, ce serait génial. Ça serait génial, je vois tes yeux qui pétillent. On le ressent dans tes chansons, voilà, dans ce que tu transmets aussi. Tu es très proche de la nature. On le voit derrière avec les enfants de Calédonie quand tu as fait ce clip. Quand on est comme toi, quel regard on porte sur le monde qui nous entoure aujourd'hui ? Bah c'est partagé en deux, tu vois. Il y a un côté où c'est comment on va s'en sortir. Ouais. Et puis il y a un autre côté qui est plein d'espoir parce que bah, on doit garder l'espoir. Nous, surtout nous les musiciens, on a ce pouvoir de passer un message à la jeunesse, puis à toutes les générations d'ailleurs. Donc on doit garder un esprit positif et à travers ça, moi j'ai envie de regarder le monde à travers ce prisme positif pour pouvoir parler de cette positivité, tu vois. Parce que je pense qu'on est à une époque où, je le dis souvent ça, mais les choses qui vont mal dans notre monde, on est tous au courant, tu es au courant, je suis au courant, elle est au courant, on sait, donc après on peut les répéter, c'est pas ça qui va nous faire avancer maintenant, ce qui va nous faire avancer c'est de proposer des alternatives, je pense. C'est plus la philosophie, c'est de regarder le positif. Ouais, et puis de le mettre en avant, quoi. Parce que c'est toujours le même truc, tu peux faire une manifestation contre la guerre ou tu peux faire une action pour la paix, je pense que... C'est pas la même chose, c'est pas tu la vois même, le, c'est pas la même démarche. Le verre à moitié vide ou à moitié plein. Merci beaucoup, Marcus. On va passer aux perles de Steph. Qu'est-ce que tu nous as réservé pour ces perles ? C'est pas du tout le même genre. Justement. Je suis ouvert à tous les styles. Ah bon, bah c'est très bien. Il nous a dit qu'il avait plein d'inspiration. Elle va nous parler des gilets jaunes. Attends, regarde le jingle et puis on en parle juste après. Jingle. Donc je vais vous parler d'une chanteuse avec laquelle donc beaucoup d'entre nous ont grandi. Elle est canadienne, c'est l'une des pionnières du pop-rock des années 2000.
Donc elle a vendu 40 millions d'albums et 50 millions de singles à travers le monde. Et elle a remporté 8 nominations aux Grammy Awards, donc la plus haute distinction quand même musique de l'industrie musicale américaine. Alors est-ce que vous savez, messieurs, de qui je parle ? Il y en a tellement, je pense. Oui, alors là, canadienne, il n'y en a pas des tonnes. Des tonnes ? Des tonnes. En plus, t'as dit que ma tenue, c'était presque... Canadienne anglaise ou française ? Française, plus française. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Avril Lavigne, non ? Oui, tricheur. elle est française, Avril Lavigne ? Oui, elle est canado. Ok, elle est québécoise. D'accord. Voilà. Donc, et là, on entend une de ses chansons, ça c'est la première Complicated, donc de l'album Let Go, qui est sorti en 2002. Tu pourrais faire ce genre de musique ? tu étais ouvert à tout. Oui, mais à l'écoute, après, au niveau de ce que je joue, non, c'est moins mon... D'accord, moins ton style. Ok, donc c'est une artiste qui a enchaîné donc, les albums à succès jusqu'en 2013 avec l'album Avril Lavigne. Donc vous devez vous souvenir de cette chanson. En tout cas, moi, je m'en souviens. Elle va arriver. C'est-à-dire ici, nous ne dirons jamais. Je connaissais plus la première saison. Ah, celle-là, tu connais pas ? Non, tu sais pas. Celle-là, elle est très bien. Malheureusement, en avril 2015, donc, la chanteuse elle est contrainte de mettre sa carrière entre parenthèses pour suivre un traitement médical puisqu'elle est atteinte de la maladie de Lyme. Donc, elle est atteinte depuis 2014. Donc, c'est une maladie, c'est une infection bactérienne qui est répandue à travers le monde. Elle est transmise à l'homme par la piqûre d'une tique, en fait, qui est infectée par la bactérie Borrelia. Et du coup, elle a dû se soigner. Et après son dernier album en 2013, 6 ans plus tard, ça y est, là, elle revient avec son 6e album, Head Above Water, donc la tête en dehors de l'eau. Et c'est un album où elle parle de son combat contre cette maladie, de vulnérabilité, mais surtout de force et d'espoir. Donc la pochette de l'album, vous allez le voir, elle est assez sobre. Donc la chanteuse est nue, cachée par sa guitare. Ça change en fait des anciennes pochettes de ses anciens albums. Ça change de la pochette de Marcus aussi. Ah ben c'est sûr, mais quoi qu'il était... C'était pas lui, mais il était en short, puis il était quand même torse nu. Hein. Et du coup, donc, ça change donc, de ses anciennes pochettes, je vous le disais. Donc ce nouvel album est composé de 12 chansons. C'est un tout autre registre, puisqu'il n'y a plus de Girlfriend, si vous vous rappelez de cette chanson, Girlfriend, là. Alors voilà, ça c'est plutôt la pochette de The Best Damn Thing. Ouais. Donc c'est son 3e album qui est sorti en 2007. Il y a une différence entre celui-ci et le nouveau. Ouais. C'est beaucoup plus, mais parce qu'en fait c'est tout autre registre. Hein. La Canadienne, elle va troquer sa guitare électrique contre une guitare acoustique. Okay. C'est un album beaucoup plus personnel, intime, sans tabou, où l'artiste, elle se met vraiment à nu comme sa pochette. Et j'ai fait une petite compile pour vous des morceaux que vous pourrez retrouver justement dans cet album. C'est parti la régie, on envoie le son. Allez. Ah non, ça c'est un ancien, ça. Ça c'est Girlfriend, ça. Ah voilà, ok. Ça c'est un ancien, ça c'est vrai. Ça je l'ai déjà entendu. Voilà, le son va bientôt arriver. Voilà. Donc c'est des morceaux qu'on va retrouver dans cet album. Okay. Donc là, c'est plus posé. Peut-être. Oui, voilà. DS, donc tout ça. Moi je comprends pas ce qu'elle dit. Mais... On écoute un peu. Hein. Marcus, t'en penses quoi ? C'est pas mal quand même. C'est bien. C'est bien. C'est bien, faut écouter de tout. Il est pas contrariant. Bon, là vous avez écouté quelques morceaux, donc à travers tes chansons, Marcus, toi tu cultives cette approche quand même du mystique, je dirais spirituel. C'est aussi ce qu'on ressent justement lorsque l'on écoute la première chanson de cet album, de son nouvel album, donc Head Above Water. Donc c'est une chanson en fait d'inspiration, je dirais, elle religieuse aussi, qui révèle en fait son appel à Dieu. Elle lui dit en gros de sortir sa tête sous l'eau et puis de l'aider justement parce que ça c'est trop difficile. D'ailleurs, si on pouvait entendre un extrait de cette chanson, merci la régie. Mais bien sûr, c'était... Voilà, c'est celle-ci. C'est vraiment un album où elle se met à nu. Il y a une croyance voilà. Quelque part. Donc. Là, comme c'était vraiment difficile pour elle, donc elle se sert de ses chansons pour combattre la maladie. Cool, super, merci Steph. J'espère qu'elle ne fera pas trop d'ombre à l'EP de Marcus Garn. Non, c'est pas du tout le même... Ils sortent en même temps. Merci beaucoup. Et pour, du coup, pour retourner à Marcus, pour découvrir encore plus son univers, je vous propose de découvrir le clip de Live Up to the Day. C'est un clip qui est sorti hier
qui est présent sur ton dernier EP. Mm-hmm. On regarde le clip, il a été tourné en Inde aussi. Tourné en Inde également. Comme les clips qu'on a vus à River. On regarde un extrait. On va regarder les images, on va les commenter. Est-ce qu'on peut lancer en régie au plasma? C'est difficile de tourner en Inde? C'est River. Ça, c'est River, exactement. Ça, c'est River, c'est l'autre clip. En régie, ils aiment trop River. C'est le nouveau. En régie, ils aiment trop River. Du coup, ils mettent tout le temps River en boucle. Non, du coup, est-ce que c'est difficile de tourner en Inde, justement? Bah, ça dépend. Il faut se donner les moyens. Là, j'avais la chance d'avoir rencontré un ami qui est indien et réalisateur. Ok. Donc, on a fait le projet ensemble. Et c'est vrai que d'être avec une équipe de locaux, ça a facilité les choses. Parce qu'une bande d'étrangers qui se trimballe avec des appareils photo là-bas, ça peut être rapidement. Ouais. Du coup, il y a besoin de demander des autorisations, il y a besoin de. Juste, tu vois, tu demandes l'autorisation. Ouais. Si tu dois filmer quelqu'un en face, bon, bah, tu lui demandes si ça ne le dérange pas. D'accord. Après, les Indiens ont tendance à être très ouverts à ce que tu les filmes, à ce que tu les photographies, parce que c'est un pays qui est très touristique, et il y a 1 milliard d'habitants. Donc, il y a toujours cette espèce d'effervescence qui fait que tu ne peux pas tout contrôler de toute manière. Donc, ils sont bien plus ouverts à ça. Mm-hmm. Quel est le message de ce morceau? Là, ça y est, on est sur le morceau Live Up to the Day. Quel est le message que tu transmets? Live Up to the Day, ça veut vraiment dire vivre au jour le jour. Ouais. Donc c'est vraiment le message de cette chanson, c'est que je parle un petit peu du fait que tout dans la vie est transitoire et qu'il n'y a rien de matériel que tu puisses vraiment garder comme il est. Mmh. Et que du coup, il faut profiter de cet instant où tu l'as. Parce que le passé, ça n'existe plus, le futur, ça n'existe pas. Pas encore. Et tu n'as que ton présent. Et du coup, c'est vraiment un appel à vivre l'instant présent. Ok. Je vous propose qu'on écoute un petit peu Marcus chanter et regarder son magnifique clip. Et on en reparle après. Regarde toujours ce clip qui est magnifique. Quelle était l'idée du clip aussi? Parce qu'il y a un message dans les chansons. Après le clip, qu'est-ce qu'il raconte? L'idée, c'était vraiment d'aller de la ville de Delhi, qui est vraiment chaotique, et de monter images, jusqu'au sommet de l'Himalaya pour arriver vraiment aux cimes enneigées à la fin de la chanson. Et c'était pour aller dans le sens du message, de dire que quelles que soient les conditions, que tu sois dans un ghetto ou dans les plus belles montagnes du monde, tu peux apprécier cet instant-là. Quoi. Mm-hmm. On te voit méditer, c'est quelque chose que tu fais dans ta vie de tous les jours. Dans un endroit comme ça, tu peux que... tu peux que écouter. Que rester silencieux et te recharger. Quoi. tu me parles beaucoup du message. Il y a un message dans tes chansons, il y a un message qui est important. J'ai l'impression que c'est un peu la base. C'est toi qui écris tes chansons. Hein. Oui, bien sûr. C'est la base de ton écriture. Est-ce que... tes messages, maintenant que tu es de plus en plus connu et que tu fais de plus en plus de concerts, est-ce que tu sens que tu as un rôle à jouer?
T'en as un peu parlé Comme beaucoup d'artistes, après c'est toujours un choix, parce que quand tu es artiste, tu vas être écouté par beaucoup plus de monde que quelqu'un qui vit une vie normale, tu vois. Et du coup c'est une responsabilité, alors t'as le choix. Tu vois, aujourd'hui on voit beaucoup de styles musicaux commerciaux où le message qui est passé à la jeunesse, il est vraiment... C'est râler pas crête, tu vois. Et donc du coup c'est vrai que moi je sens quand même cette responsabilité, ça m'a toujours attiré aussi, tu vois, de passer ce message-là, mais je sens aussi cette responsabilité de dire, bon, il y a des gens qui m'écoutent, il faut que le message que je passe, il soit positif, tu vois, faut pas que ce soit... Ouais, que ça me corresponde, puis, tu vois, c'est pas un message politique, c'est vraiment un message humaniste, spirituel, tu vois, un appel à vivre une vie plus consciente et en harmonie avec le monde qui nous entoure, donc c'est pas non plus donner des leçons ou quoi, c'est surtout suggérer ça, puis aussi soulager le cœur des gens, parce que la musique, ça sert à ça. C'est beau ce que tu dis. Merci beaucoup, Marcus. On va passer tout de suite au quiz de Stéphanie. Jingle. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est parti. Donc, ce soir, messieurs, vous allez entendre des sons et vous devrez me dire de quel instrument de musique il s'agit. Ah. Alors, c'est simple. Il y en a trois, de toute façon, à deviner. D'accord. Donc, vous êtes prêts? Allez. C'est parti. Sitar. Ah mais tu jouais, hein. Je savais que t'allais la trouver. Bien joué. Alors oui, il s'agit. Bravo Marcus, Adrien. La sitar. La sitar, que l'on appelle aussi satar. Donc c'est un instrument à sept cordes que vous voyez. On voit derrière. Derrière, d'ailleurs, vous voyez Ravi Shankar, qui lui est considéré comme le maître, donc justement, du sitar et ambassadeur de la culture indienne à l'étranger. Mm-hmm. Donc lui, il a quand même reçu 3 Grammy Awards. C'était le père de la chanteuse de jazz Norah Jones et de la compositrice Anushka Shankar. D'accord. Donc, il est mort en 2012. Hein. Mm-hmm. Donc, un point pour Marcus. Toi, tu l'utilises dans tes morceaux, ce son ? Non, pas encore. Ah ouais ? Pas encore. On a utilisé des trucs qui ressemblent, mais pas de sitar encore. Ok. Ça va venir, peut-être. Ça va venir. Ça viendra. Ok. Bon, l'autre, je pense que tu vas trouver. Enfin, je parle de Marcus, parce qu'Adrien, on enchaîne. La couronne. Non. C'est pas la couronne. La harpe. C'est vrai que on pourrait croire que c'est une harpe, mais non. C'est pas la harpe africaine, là ? C'est du goni ? Oui, c'est bien. Oui, parce que d'ailleurs, on le retrouve dans ton, c'est quoi, c'est ton titre, Live Up to the Day. Ouais. C'est ça. Donc oui, c'est goni ou djeli and goni. Goni, ouais, c'est ça. Donc c'est un instrument à cordes pincées d'Afrique de l'Ouest, ça ressemble à la harpe, c'est vrai. Donc là, la caisse en bois, elle est recouverte d'une peau de veau, normalement, et le manche, il est en bois. Et effectivement, il faut savoir qu'il n'y a que les 2 cordes du milieu qui sont jouées. Les autres, c'est que des bourdons. Et puis, ça serait l'ancêtre, enfin, son ancêtre serait le banjo. Mmh. D'accord. Et donc là, vous voyez, c'est bassé Kouyaté. J'espère que je prononce bien. C'est l'un des virtuoses, justement, de cet instrument. Mmh. Et lui, il a joué avec U2. Hein. Mmh. Oh, c'est un instrument magnifique. Moi, j'adore la sonorité. C'est marrant parce que quand tu entends un joueur de cet instrument jouer tout seul... Au début, ça te paraît un petit peu bizarre, on dirait qu'il rate les notes et tout ça. Puis après, quand tu l'entends avec la musique derrière, tout de suite, ça donne une dimension incroyable. Il y a de plus en plus d'artistes qui s'inspirent des instruments traditionnels d'autres pays. Ouais, c'est important, je pense, ça ajoute tellement de richesse à la musique. Celui-là, il est facile, le dernier. On envoie, s'il vous plaît, la régie, le son. Allez, le dernier. Oui, c'est parce que je l'aime bien, c'est pour ça. Je te le laisse. Le vous est là. Non. Le mec, il est trop sport dans sa tête. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Hein. Oui, c'est bien. Didier Ridou. Ça, c'est le nom que lui ont donné les colons, bien sûr. Mais les aborigènes, c'est Yidaki ou Djoubini aussi. Donc, en fait, il est réalisé en eucalyptus avec d'autres matières comme le palmier, le teck ou encore le bambou. Et l'embouchure que vous allez voir, donc en fait c'est là où on pose ses lèvres justement, donc est fabriquée en cire d'abeille pour la rendre plus lisse et la protéger aussi de l'humidité. Alors la particularité de cet instrument, c'est que la plupart des joueurs, ils utilisent ce qu'on appelle la technique du souffle continu, ce qui permet en fait de jouer sans s'arrêter, même lors de l'inspiration. Donc c'est assez impressionnant. Tu n'as jamais utilisé cet instrument Si, moi, j'en joue un petit peu. D'accord. Mais dans tes clips. Si, on a dans l'introduction de mon premier album, il y a une introduction au didgeridoo. Cool.
Merci, merci beaucoup, Steph, pour ce coup. Bah oui, j'ai trouvé. Oui. Alors, c'était facile. Et tu as perdu. C'est vrai. Merci beaucoup, Marcus. On connaît. Enfin, merci, Steph, pardon. Je retourne devant Marcus. On connaît l'artiste à travers tes musiques et tes chansons. Comment vit l'homme? Bah. Un peu de la même manière que l'artiste, j'ai envie de dire. C'est la même personne. C'est. Ouais, moi, je. Je mène une vie simple, alors tu vois, bon, maintenant on est tout le temps en tournée, donc on a un rythme super soutenu. C'est ce qui m'amène justement à la question suivante. Est-ce que ça a changé de l'an dernier, tu as fait plus de 100 dates avec l'album, ton premier album Chanting. Tu repars encore sur une tournée. Du coup, ça change forcément. Ouais, mais c'est du plaisir, quoi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu. Il y a aussi un côté où tu réalises ton rêve de gamin, tu vois, de faire des tournées comme ça, de jouer sur des grosses scènes, de rencontrer les artistes que tu écoutes depuis des années. Donc c'est vraiment un plaisir. Ça demande de la discipline, parce que c'est. Bon, il y a des fois, tu joues tous les soirs, tu sais pas vraiment ce que les gens y croient, ou tous les soirs c'est la fête, machin, etc. C'est pas vraiment comme ça. En vérité, le soir, faut que tu ailles te coucher le plus rapidement possible parce que le lendemain, c'est réveil à 4 heures pour partir dans la ville suivante. Okay. Et des fois, tu as 8 heures de route avant le concert. Donc, il y a tout ce côté-là qui est un petit peu l'arrière des coulisses que les gens voient pas. Okay. Ouais. Est-ce que tu signes des autographes maintenant? Oui, ça, les posters, les CD à la fin des concerts, tu vois. Là, on a toujours un petit stand à la fin des concerts où les gens viennent acheter les t-shirts, les CD, les posters. Et j'essaie d'être dispo pour les gens qui veulent nous rencontrer ou quoi. Cool. Une dernière question, juste vite fait. Tu reviens toujours en Calédo entre tes dates de concert. C'est important pour toi? Ouais, déjà pour me ressourcer à la maison, puis pour voir la famille, les amis. Dans le futur, j'aimerais réussir vraiment à rester plus longtemps ici, à aller tourner quelques mois à l'étranger. Puis surtout à ramener beaucoup de force et d'énergie ici, tu vois, par rapport à tout ce qu'on va chercher là-bas ailleurs pour faire grandir la musique au pays, parce qu'on a énormément de talents, énormément d'artistes, et je pense qu'on mérite à gagner à être connu dans le monde un petit peu. En plus, tu en as profité pour tourner tes prochains clips. Voilà, ouais, exactement. J'essaye de faire un maximum de clips ici aussi, parce que c'est vraiment le. Moi, je viens d'ici, mon inspiration, elle est venue d'ici, et c'est vraiment cette imagerie-là que j'ai envie de faire découvrir au monde aussi. Ok. Cool. Merci beaucoup, Marcus. Merci à vous cette d'avoir fois. Reçu. Merci. Et on passe tout de suite au magazine du week-end avec Michel. Steph, viens à côté de moi. Viens, Michel, je t'en prie. On va s'intéresser au prochain magazine inédit, Les Coulisses. Il va passer devant la caméra. C'est normal, c'est Michel. Il fait comme chez lui. Qui s'intéresse aux familles qui ont choisi de vivre l'école autrement. Je vous propose de regarder un premier extrait et de recevoir Michel, même s'il est déjà là, sur le plateau après. On regarde. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antarctique. Océanie, encore Antarctique, Afrique, ok. Salut Michel, alors qu'est-ce que tu vas nous présenter dans ta toute première émission de la saison 2009, Les Coulisses? 2019, c'est il y a en même temps, c'est bien, ça nous rajeunit un peu. Mais bon. Non, mais je me disais que tu avais pris un coup de vieux. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Et non, pour cette saison 2019, on va débuter avec l'émission qui parlera de la pédagogie alternative, en tout cas des écoles, mais aussi on intègre l'instruction en famille, l'école à la maison. D'accord. Dans cette émission. Ok. Parce que vas-y. Excuse-moi, vas-y. Non. Et donc là, on voit ça et on a laissé cette petite, on a laissé cette ambiance parce que Tessa, elle a 4 ans et demi, 5 ans,
Et donc, elle connaît déjà tous les continents. Ouais. Et donc, c'est pour aussi montrer que ça, cette pédagogie-là, elle fonctionne aussi. Okay. Et on voit derrière, et vous avez fait une petite réflexion sur le petit garçon qui marchait juste en arrière-plan. Sur les talons. Sur les talons. Et en fait, ces enfants-là, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais okay. À Montessori, ils sont quand même encadrés. Quoi. Ok. Et du coup, j'ai parlé avec Mathieu Le Barbier qui a réalisé ce magazine avec toi. Tout le monde dit que l'école est obligatoire, mais c'est pas l'école, c'est l'instruction qui est obligatoire, c'est ça? C'est l'instruction qui est obligatoire. D'où voilà, toutes ces écoles alternatives qui sont nées comme ça, en fait, de ce constat. Oui, c'est ça, en fait. Il y en a qui décident d'ouvrir ce genre d'école et donc ils profitent des outils de l'apprentissage comme Montessori ou Steiner. Donc ces personnes-là, et c'est des pédagogies alternatives qui existent depuis déjà bien plus d'un siècle. Quoi. Okay. Alors pourquoi créer une structure comme ça? Pourquoi créer, en tout cas, selon la directrice, en fait, ça lui... c'est souvent à partir d'expériences personnelles et de l'école et du constat qu'ils ont eu de l'école, des établissements publics, de l'école traditionnelle, et ils ont décidé d'avoir une autre école pour éviter, par exemple, d'avoir de la compétition. Ou aussi, où on parle souvent d'élitisme au niveau de l'école aussi. Et donc là, par exemple, un exemple concret, ça va venir justement sur l'extrait d'après, c'est les ateliers, les outils d'apprentissage ou les ateliers, les activités comme ils appellent, il n'y en a pas deux pour éviter, la compétition. Ah ouais. Et donc voilà. Et c'est très, c'est très collaboratif chez eux. Ok. Et je pense que voilà, c'est. Collaborons alors. oui. Et en tout cas, moi c'est ce que je pense qu'on devrait faire, mais ça c'est mon avis personnel. Ok. Super. Bah, on a hâte de voir ça. Et puis on regarde tout de suite un deuxième extrait, très court. Regardez. Tu voulais faire quoi là? Tu m'as dit que tu voulais faire. Le snack. Le snack. Ouais. Et là, en fait, comme c'est déjà occupé, tu écris que tu es le suivant, c'est ça? Tu vas mettre ton étiquette pour dire que tu es le suivant au snack? Ok, super. C'était juste pour savoir, Léo. En fait, là, Léo, tu avais mis ton étiquette pour le snack. Tu vois, c'est libre. Le snack, tu peux y aller. D'accord? Parce qu'il y a déjà Enora et Ethan qui font la pâte à modeler. C'est bon, tu peux y aller? T'en fais pas. Ça va rester là, t'en fais pas. Hein? Du coup, tu peux faire ton snack tranquillement. Oui, bonne idée. Avec eux, en concertation, on a défini la règle qu'on était deux par deux au snack. Et Léo, comme il connaît cette règle, il est venu faire un petit tour là. Il a vu qu'il y avait déjà deux enfants qui étaient installés à la table du snack. Donc, il est venu mettre son étiquette ici pour expliquer qu'il sera le suivant. La pédagogie Montessori prévoit que le matériel est présent dans l'ambiance en un seul exemplaire. À quelques exceptions près, de façon à ce qu'il n'y ait pas déjà de... Une émission à retrouver demain à 19h et dès dimanche sur notre site caledonia.nc. C'est bientôt la fin de l'émission. Une petite sortie pour ce week-end, Steph? Alors, pas pour ce week-end. Non. Ah non. Donc, c'est pour le week-end, donc le 9 mars. Donc, d'accord. C'est une exclue, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Notez ça dans vos agendas, une le 9 mars. Une exclusivité, puisque B-Boy Karim et B-Boy Willy, donc deux membres du Pokémon Crew, donc l'une des compagnies françaises de hip-hop les plus titrées au monde. Exactement. Dans le circuit des battles. Champion donc seront au Rex sur Nouméa de 13h à 19h, donc le samedi 9 mars. Donc c'est un moment de partage, vous y attend, entre témoignages, danse, autographes et plein d'autres choses. Ça sera vraiment chouette. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc bloquez le week-end du 9 mars. Allez, merci beaucoup Steph. Et merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. Yes Weekend reprend. Alors notez dans vos agendas, on finit cette émission en musique avec le dernier live de Marcus Gad qui vient de sortir son nouvel EP Enter a Space et qui part en tournée dans toute l'Europe. Merci mille fois Marcus d'être venu sur le plateau de Yes Weekend, merci à toi. Qui ? Je m'appelle comment ? Je sais pas. d'avoir amené Marcus ici, t'as fait le chauffeur, c'était le principal, j'étais obligé du coup de t'inviter sur le plateau. Tata tout le monde et à la tu semaine prochaine. Tu vas passer prochaine. Un mauvais week-end, toi. À toi, Marcus. Merci. When we said take some time to look up to your father in our eyes. Take some time to take care for your mother and I try. Take some time.
potion of a desire, a precious time. In a defense of evil man, I fear, cause Jamal and me general, and Mother Earth are the marshal. Who no fee walk up in a style, and I a truth and no partial. Reality universal. When some I want microchip and it a feel detrimental. Already geared to go global. In a this time when the youth crave the latest commercial, and them are bored with the natural. And a the mother and a father in a oldest fashion. Consequences apply to all of your action. See the youth feeling so much indecision, strolling on a phone in a your total division. Still sell a sibling so many keys to transition. When I come the tipping point of globalization, in a this worldwide transition, I'm gonna take some time to look up to your father in a eye. Take some time to take care for your mother and I try. Take some time, devotion over desire, a precious time. Hey, when me say practice every day on a regular basis, almost discipline before receiving graces. Negativity likewise it is infectious, bring a liberty in a desolate places. Holy sanctuary you will find in all yourself. Seek it in your heart, I really the first place. Only love I say, open our way to forgiveness. Like a baby walk, let we take our first step. Oh, let we take our first step to Jalo. When man I take some time to take care for your mother and I try. Take some time to look up to your father in a eye. Take some time to take care for your mother and I try. Take some time to look up to your father in a eye. Take some time, devotion over desire, a precious time. Hey, I'm gonna take a precious time. Come feel liberate your eye. Man, I bring a precious time. Come feel open up your eyes. Man, I spread some time. Yeah, you.